2 de cette saga sur Metroid. Voilà, on est parti. Alors, juste... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Un petit secret comme ça en commençant. Donc je rappelle, on a battu Kraid et du coup on va se diriger vers l'affrontement contre Ridley qui du coup ben, arrive. Cette feignasse. D'ailleurs, disons-le très clairement, on en cause que Ridley est tout noir et on n'a pas de skin de Ridley noir dans Smash. Voilà. Ok. Ah oui, parce que c'est vrai que du coup, maintenant, on peut y aller. Ah non, attends une seconde. Ouais, donc là ça sert à rien, j'aurai pas tout de suite le costume Varia maintenant. Et soit j'y arrive tout de suite, soit j'y arrive pas. Ah, super missiles, on les a pas encore. Ah oui, mais non, c'est ça. Thank you.
Bah, j'en ai peut-être très rapidement des bonus, mais après faut se rappeler que c'est un jeu assez court. Maintenant la boule morphine peut sauter. C'est ça, mais là c'est pas bon. Ok, donc là on peut pas encore exploser. C'est vrai que du coup ça a un peu, il y a un peu trop de guidage. Et là j'aurais bien aimé qu'on reste sur du, sur un peu de découverte. Et là j'avoue ça m'annonce sans arrêt où je dois aller. Et le pire, c'est que vous pourriez vous dire, je pourrais m'en passer. Mais non, parce que si je ne fais pas ça, je ne peux pas passer. Attends. Et non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, juste une sauvegarde. Donc je rappelle que après ce sera Metroid AM2AR. Crétin, aïe aïe aïe. Ouais, mais non. Voilà. C'est ça. Ça a l'air de rien, mais ça va me permettre de débloquer pas mal de trucs. Thank you.
Tant pis, c'est pas grave, on va suivre le cheminement normal. Ok, il y a un petit bug. Et parfait. Nickel, et là on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc là normalement on réfléchit pas trop, on va en refaire. Quoi qu'attend, hop, select, cred. Non, il n'y avait pas de zone particulière, c'est vraiment en refaire qu'il y a des zones un peu trop chaudes. Et là maintenant, voilà! Rapide au rayon. Alors, petite sauvegarde. Ah, mais j'ai peut-être pas le choix par contre. Alors ça pouvait être fait, mais je pense que je serais mort avant. Ça, je libérerai l'accès plus tard. Thank you.
Ah, attends. D'abord au-dessus. Merci à la touche de saut qui était bloquée. Ouais. Il devait y avoir un item, me pose pas trop la question. Cette porte, mais avec le super missile, on aurait dû passer. On a foutu d'avoir perdu un peu de vie. Hop là. Il fallait que je prenne une manette NES pour ce jeu. Je joue actuellement sur une Xbox 360 et c'est pas forcément le top en termes de maniabilité sur un jeu comme ça. Parce que je joue à la croix. Et salut! Comment tu vas? Merci pour la follow! Alors, on va juste aller voir ce qu'il y a en bas là quand même. Ah! Ça sent le truc. Faut courir!
Ok. Oh, fine on you. A little strange for the beginning, so. Alors, juste... C'est ça, ça par contre, faut pas y aller. Ok, y'a rien là-haut. Just for you to know, I prefer use the beam but the max arrow. Is that good? My... what happened? Et j'ai pas le meilleur, I don't have the better accent. Yeah. Yeah. But I will get it with time, so I don't worry. Ça c'est un bon item. Le rayon à vagues, the wave beam. Qui est nécessaire d'ailleurs. Hop là. Voilà à quoi ça sert. Se libérer ce passage. Et là on a tout, toutes les vies normalement, on a que 6 vies. Ah ok, I will for chat you on Twitter, ok, don't worry for that. If I do that before, maybe we'll, I will see. Ah, attention. Thank you.
Hop, on suit Henry. Et voilà, c'est bon. C'est plus un mini boss qu'un boss, hein, franchement. Mais nous arrivons enfin sur Ridley. So don't worry, Nora, we follow you after the live. But now, I focus on the play. Alors, Ridley qui est probablement la zone que j'aime le moins dans le jeu. Dans mon souvenir, en fait, il n'y a pas beaucoup d'items qu'on gagne. Il ne sert absolument à rien à part affronter Ridley. Pour dire qu'il va falloir retourner de l'autre côté pour progresser. Faut remonter en surface, c'est un aller-retour inutile. Là, si on retourne là, et voilà ce qu'on trouve. Nous les premiers super missiles. Il y en a beaucoup moins et dans mon souvenir c'est... Ouais c'est ça, c'est avec Select qu'on sélectionne. Je savais qu'il y avait un trou, mais je savais pas comment, si je pouvais pas l'esquiver. Mmh.
On sauvegarde, pourquoi pas, hein, on va pas dire non. Pour Ridley, faut se prévoir une bonne dose de missiles, hein. Et de vie. Par contre, ceux qui ont joué à Metroid Dread le savent, c'est hallucinant quand on voit ce qu'on gagne en fluidité. Sauvegarder comme ça, je sais que j'ai récupéré la réserve de vie supplémentaire. Jamais craché sur une réserve de missiles. C'est la fin, ce sera la fin de ce premier live, enfin de ce second live. Voilà, si vous galérez sur ce long passage, sachez que ça, ça suffit. Aussi là, j'ai pas loupé un truc, non. Non, la zéro, okay. Toujours respecter ses promesses, hein. Ah oui, non, c'est vrai que c'est dans le sens inverse, ça. Justement. Au son. Et bam.
Alors là, c'est une mini énigme. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Alors, dans mon souvenir ici, c'est ça. Voilà. Voilà, hop là, c'est parti. Avant Ridley, normalement je ne pense pas que je vais mourir avant lui, normalement, parce que en fait le combat contre Ridley c'est simple, il est vulnérable partout, aucune faiblesse, mais il est très résistant. Objet inconnu, et ça, si je dis pas de bêtises, c'est le costume de gravité. D'ailleurs, notez que comme j'ai le rayon qui traverse les parois et que je ne peux pas tirer à travers ça, c'est pas une paroi. Attends, c'est... Oh putain, c'est quoi cette merde? Je peux pas être L et R en même temps? J'avais dit que ce serait pas très compliqué, hein. Par contre, petit souci au niveau de la manette, puisque ben... mal compris. Bon, après le jeu il était conçu, on pouvait faire agir comme ça, hein. C'est à dire qu'il n'y avait pas de tir en diagonale dans le tout premier jeu, donc on devrait pouvoir s'en sortir même sans tirer en diagonale. Par contre Metroid Fusion, ouais, là ça va être plus compliqué. Ah mais il y a un truc là-haut. D'accord, ok, donc de toute façon fallait passer par là. Donc. J'ai pas découvert un secret de fou, non.
autant prendre un peu de recul. Voilà. Comment être tranquille. Salut les gars, quoi. Donc là, ce qu'on va, on va s'arrêter au moment où on sortira de Ridley. Parce que là, on peut récupérer l'ascenseur et juste avant d'en refaire, ce sera très bien. Quand on voit un truc bizarre, genre la carte est trop petite bizarrement, c'est qu'il y a sans doute un secret. Mesdames et messieurs, je m'arrête là pour ce soir. Ridley a été défait. C'est le deuxième gros boss de ce jeu. Qui est assez court. Hein. Metroid Zero Mission est très très court. Parce que là, vous le voyez, on fait que des lives de moins d'une heure. Et je suis déjà à peu près 30% de... Non, 60% du jeu original. Donc, on va très très vite. Mais après, les Metroid se jouent très très vite aussi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Ciao!